Alors, il faut montrer le flacon, parce que c'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est une préparation de Madame Larouard, ça, hein, de Françoise Larouard. Donc, dans une ancienne bouteille de Calva, hors d'âge. Et notre maître sommelier, Monsieur Thomas, m'amène donc mon petit Americano. Comme d'habitude. Ah ben oui, non, mais ça, c'est quelque chose. Écoutez ce bruit. Ça aussi, c'est une belle musique. Merci, mon cher Thomas. On se retrouve donc à table. Bah oui, tout à l'heure. Et j'espère. J'espère. Pour laisser les mains, et j'en ai mis plein de sec en dessous. Océane me sauve la vie. Merci, Océane. Alors, on va commencer dans la vallée de la Loire, donc en Touraine, la cuvée des petits boulets. On est sur le millésime assez jeune, donc 2022. On va jouer sur une fraîcheur, une sorte de peps, quelque chose d'assez assez vif en fait. Avec le rappel de la minéralité, donc du terroir, légèrement amer. Puis on a toute la gamme, classe du chenin, c'est-à-dire assez fruité, assez simple. Ça pour commencer, avec, je vous dis pas, évidemment, avec le menu confiance, la première entrée. C'est sur la confiance que je suis parti, donc je sais ce que vous allez me servir en gros. Par rapport à ça, en gros, je me doute. On va commencer là-dessus, tout doucement. On commence par le vin, étant donné que ben, on sort de l'Americano. On commence avec le vin. On va préparer un petit peu les papilles, aviner le verre, et puis ensuite la dégustation sera que meilleure. Merci Thomas. Donc Pierre Moisson, mon vigneron préféré, un de mes petits chouchous. Non, ça travaille très très fort. Son papa fait du vin. Pourquoi exactement? C'est toujours bien travaillé dans les fûts, généralement placé un certain temps. Toujours sur l'équilibre, on cherche un petit peu le terroir, les grands vins de terroir, sur les chardonnays, sur les pinot noirs. Bel ami de Coche du Riz, fils Coche du Riz, qui est pour moi les plus beaux blancs de Bourgogne. Et son papa fait du vin, sa soeur fait du vin. Ah oui, c'est une affaire familiale. C'est magnifique, magnifique, honnêtement. Donc on va chercher le millésime 2019 sur son Bourgogne blanc. Donc générique, traditionnel. Et 2019, vous en pensez quoi, vous, en tant que sommelier, belle année? Belle année. Alors, on peut comparer, étant donné que c'est plus proche, 2020, 2018 en Bourgogne, c'est l'assemblage, on va dire, enfin, le millésime, vraiment équilibré. Ça a commencé par un hiver très rude, beaucoup de pluie, ça a chargé les nappes phréatiques en eau, et à l'inverse, l'été est très rude, très chaud. Donc la vigne a pu profiter d'aller gratter un petit peu dans le terroir, aller chercher les ressources, la pluie qui a été stockée dans les nappes phréatiques l'hiver. Bon, ça a fait vraiment un joli travail. 2019, c'est sur la lignée. On a eu des belles baies, un petit peu moins chaud que 2020, mais c'est un des millésimes vraiment pas mal. En comparatif, j'aurais préféré 2018, mais on en a plus. Oui, donc, vous me donnez les fonds de caf. C'est un petit peu ça. Le turbo, du coup. Ici, le turbo, avec donc quelques lamelles de truffe par-dessus. On a quelques morceaux de pouti, hein, le gâteau de blette, et puis la sauce en réduction de crème et de poisson. Merci, Claire. Je vous en prie, avec plaisir. D'accord. Quelle senteur. Domaine des Génaudières, on bascule sur une malvoisie remplie de gourmandise, fraîcheur, peps, pareil, sur les millésimes 2022, ça vient d'arriver. Domaine des Génaudières, on est nord-ouest, sur l'appellation Côte-d'Anjou, au-dessus du Pays Montais, on reste dans le 44. La malvoisie est vendangée légèrement, tardivement, pas en VT, on n'est pas en mélange tardive, donc nous ne sommes pas en moelleux, mais on n'est pas en sec non plus parce que c'est vendangé. Donc ça doit être chargé de soleil, ça. C'est chargé de soleil, c'est chargé de gourmandise, c'est un petit gourmand. Oui. On perd de la structure, oui, de l'équilibre, ça peut pas un chewing-gum, bien sûr, pour accompagner. Non, ça colle aux dents. Ce qui arrive, pas très agréable pour les accords. Sur ce non mais je suis d'accord sur le terme, c'est un bonbon parce que c'est vrai qu'on peut se régaler vraiment comme les enfants le font et des friandises. Exactement. Nous, ça, c'est notre friandise. Et puis bon, c'est raisonnable. Hein. Regardez les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Là. Regardez que c'est vraiment un fond de gourmandise. Ça, c'est un fond de gourmandise. Pour mais les j'aime ça. D'accord, mes vins. D'accord, mes vins, on reste en 2012. Parce qu'étant donné qu'on voit plusieurs types de vins, plusieurs terroirs, plusieurs appellations, sur un repas, ça peut faire beaucoup. C'est clair. Un vin, toujours un petit peu réduit. Merci Thomas. Plaisir. Ah, Claire, vous m'en voulez pas, Claire? J'ai fait une déclaration d'amour. Je ne vous en veux pas. J'espère que vous avez bien rigolé.
Dites-moi tout, Océane, qu'est-ce que vous me proposez? La pose fraîcheur avant le plat, sorbet au cidre royal épique, le condiment pomme et pommeau de Bretagne sur le dessus. Le sorbet au cidre royal épique, royal puisqu'il est label rouge et épique, c'est la variété de la pomme utilisée. Merci, Océane, merci. Alors ici, le filet de bœuf, un filet de bœuf fumé avec quelques roses d'aubergine, le caviar d'aubergine également. On aura sur le côté le condiment à l'ail noir de Billon. Et puis après, la petite sauce barbecue que j'ajoute juste ici. Les baies. Ça, voilà. On peut dire que le client est gâté ici. Hein. C'est magnifique. Merci, Claire. Pour accompagner tout ça, on va chercher un joli rouge assemblage Syrah, Grenache, Mourvèdre, la cuvée Le Chemin du domaine Claude Lourse, sur les îles de Milan. On est sur les Côtes de Provence, dans le Var, à Cotignac. Joli domaine familial, classé en deux depuis un certain moment. Il n'y a que du raisin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'intrants, pas de produits, même des pesticides pour faire beau dans la vigne. On oublie. On veut que du vin, que la philosophie du vin qui est très belle sur ce domaine-là. Je connais bien. On leur fait un petit bisou. C'est un vin que j'ai découvert avec mon ancien établissement, là où je travaillais entre Nice et Monaco. On a eu la chance de visiter un petit peu toute la Provence en fait avec l'équipe de sommellerie. Et ça reste quand même un de mes petits germes, un de mes petits chouchous, un de mes petits coups de cœur à le domaine Claude Lourse à Cotignac. Belle dégustation. Merci Thomas. À la figue et la salade verte avec huile d'olive à l'orange et vinaigre de poivre. Mais ben, on n'est pas bien là. Mais quel chariot de fromage. Il y a quand même qu'ici qu'on voit ça. Hein. Dans la plupart des restaurants, on sert trois vieux morceaux de fromage à l'assiette là. Et là, on a le chariot complet. Je vais tous vous les présenter un à un, et après je vous laisse faire votre sélection. Non, vous allez le faire pour moi. Ah, je fais votre sélection ? Ouais. Très bien. Je vous fais confiance. Vous les présentez quand même ? Ben, je veux bien, Océane. Ah ouais. Dites-moi. Alors, juste là, vous allez avoir l'Auvergne. Ouais. Et puis ensuite, on aura trois assiettes avec des fromages locaux. Donc, on va faire un petit mariage comme les patrons de l'établissement. Eh bien, très bien. Entre l'Auvergne et la Bretagne, s'il vous plaît. Très bien. Pour l'Auvergne, on retrouve le Saint-Nectaire, en classique, le Cantal jeune, de la fourme d'Ambert, le Petit Fermier, c'est un fromage un peu plus doux et crémeux, et le Montbriac, donc on est sur un fromage légèrement bleuté, légèrement crémeux, mais pas très fort. Pour la Bretagne, on passe sur la brebis et le chèvre. Pour les fromages de chèvre, on en a trois. Le pavé cendré de l'Oudéac, juste ici, le chèvre frais de Herdeven et le chèvre du Garlédan. Et pour les brebis, nous en avons deux. On est sur la ferme La Belle Histoire à Landévin, l'Alpic La Lande d'Agen, un fromage un petit peu affiné, et le Petit Palais. Ensuite, on arrive sur le Champ du Trèfle, qui est une ferme à Landévin, avec la tome fumée juste là. Ça, c'est leur fromage nature, c'est le Saint-Gado. Juste là, le Ramoneur, un fromage pas très fort, à l'ail et au foie, mais très relevé. Juste là, le Saint-Laurent, dans l'esprit d'un maroilles. Et ici, le Délice à l'ail et fines herbes. Et puis pour le dernier, on retrouve donc la tome de Ruisse ici, et puis trois fromages qui viennent de la ferme de Kerlilan, à l'Ocolmandou. Le cendré dans l'esprit d'un mordier, et une tomate au fenugrec, et la tomate aux algues. Voilà. Mais quelle leçon d'histoire et quel voyage. Merci, Océane. Alors, on bascule dans le Luberon. Mm-hmm. Pour accompagner le fromage, on va aller chercher un petit peu de caractère, complètement au sud de la vallée du Rhône, donc partie méridionale. Baraban, donc de la cuvée, Simfarm Moray, assemblage, bel assemblage, bien cru. On a grenache blanc, clairette unie, un petit peu de vermentino, et Roussanne-Marsanne, l'assemblage. Ça nous fait vraiment un bel assemblage avec pas mal de cépages. C'est un pari dur d'assembler autant de cépages, autant de raisins. Trouver l'équilibre là-dessus, c'est très dur. Il faut rien laisser sur le bord de la touche, bien évidemment. Il faut surtout pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus, qui se fasse marcher dessus par les autres. C'est très dur. Le pari est relevé avec brio pour accompagner certains fromages. Ce verre de vermont, ça va être honnêtement très très bien.
Bastide Duclos, confier mes en bio. Tout est fait à la main sur millésime 2021. C'est jeune, c'est bien. Merci Thomas. Plaisir. Dites-moi tout, Thomas. Là, on va accorder le chocolat avec un très vieux pinot à la dame jeune qui est au milieu de la salle. Très vieux pinot, millésime 2000, il rentre dans les très vieux. On est sur la Merci, maison Cognac-Lérault. Cognac-Lérault, maison familiale d'un grand prestige. Ça, sur millésime 2000, on peut le prendre sur un apéritif. On peut le prendre sur un dessert autour du chocolat. On peut le prendre sur un foie gras, par exemple, pour terminer après les desserts. Ça va un petit peu sur tout. Pour se faire plaisir, il n'y a pas mieux. Vous m'étonnez, vous, toujours. Là, je vous vois avec des éprouvettes. On va aller la filmer, là-bas. Et l'autre fois, je vous ai vu carafer un vin au mois de juin. C'est rare. Ouais. Aujourd'hui, le carafage du vin, ce savoir-faire du carafage du vin. Il faut savoir quel vin carafer, quel vin décanter. Pas tout à fait la même chose entre le carafage et le décantage. Carafage plus pour les blancs. Il y a des rouges qu'on peut carafer, mais généralement, quand on passe en carafe, c'est pour un décantage sur les rouges. Le principe de décanter avec la petite bougie, c'est pas du tout un aspect de réchauffement du vin. Avec la bougie, c'est plus un souci de vision. On va éclairer le goulot pour s'arrêter juste au moment où le dépôt vient. La pourriture noble. C'est le but. C'est non. Une sorte de levure morte en fait, qui se dépose, une sorte que certains appellent tanin, dépôt en fait. D'accord. Dépôt dans le vin en fait. Et on va chercher justement à séparer ce dépôt du vin sur les rouges. Principe du décantage. Et puis le carafage, par mais contre, sur les c'est bois. Malheureux, malgré tout, même si c'est beau, la on carafe, peut, le carafage. On peut apprécier jusqu'au bout. Mais ce que j'aime, moi, c'est le flacon du vin, le contenant du vin. Oui, il y a des jolies bouteilles, il y a des belles étiquettes. Des belles étiquettes. Après, quand, personnellement, la bouteille, quand je la carafe ou je la décante, elle ne va pas derrière. Elle reste sur votre table. Oui. Vous pouvez la regarder. C'est ça. Parce que c'est beau aussi. Ouais. Comme ça, au moins, on sait ce qu'on apprécie. Ben oui, parce que vous pouvez nous mettre du pré-fleuri. On n'oublie pas ce qu'on boit. Et voilà, ça commence par la bouteille, en fait. Ça commence par le regard de l'étiquette et la dégustation. Tout à fait. Ensuite, regard. Mais c'est bien, parce qu'en même temps, ça oxygène le vin, le fait de le décanter comme ça. Exactement. Parce que là, le vin que vous m'avez servi tout à l'heure sur le fromage est magnifique, oui. Mais il demandait à s'oxygéner. Il était exactement. Meilleur au bout de 5 minutes qu'au exactement. Départ. Ça, c'est la complexité. Ouais. Généralement, quand un vin blanc a du caractère comme ça sur l'ouverture, ça s'affine, ça s'allège un petit oui. peu avec le temps. C'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs. 10, 15, 20 minutes, ça peut, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. J'étais un peu dubitatif au départ sur le fromage, et puis ça avec le temps, 2-3 minutes, hein, pas ouais. plus. Pas plus. Donc il a un peu perdu en température, parce que je l'aime frais, mais finalement, il a gagné en goût. Ouais. Et c'était magnifique. Donc ça. Merci à vous. C'est le but du carafage.